travail qu'elle fait avec toute son équipe. Elle m'a fait voir tout à l'heure son organisation quasi militaire, à première vue. Ouais, sous ses airs de babacou, je peux vous dire que ça file droit. Ce marché, depuis 12 ans, manifestement, a pris beaucoup d'ampleur, parce que vous m'avez annoncé qu'on serait bientôt à 65 adhérents. Donc c'est un gage de réussite et de la qualité de ce qui se fait à Trévoux sur ce marché. Et à partir de maintenant, avec la rue des Arts, je pense qu'il y a des synergies qu'on va pouvoir trouver pour que l'aspect culturel, patrimonial et artistique puisse se développer à Trévoux. Quelques mots sur la rue des Arts. C'est un projet qui a été initié par la municipalité de mon prédécesseur, Michel Raymond, et que nous avions soutenu dès le début et que nous continuerons à soutenir de manière à ce que ce projet se développe et que Trévoux devienne vraiment un attrait touristique, patrimonial et culturel pour l'ensemble de notre territoire et bien au-delà de notre territoire. Ouais, ouais, ouais. Donc, bien sûr, c'est un projet que non seulement nous n'avons pas l'intention d'abandonner, mais que nous comptons développer. Ouais, ouais. Il y a déjà de nouveaux artistes qui sont candidats pour occuper de nouveaux locaux. La municipalité restaure encore certains locaux et on continuera cette politique de manière à ce que de nombreux artistes puissent s'installer ici et attirer les touristes dans notre ville. Donc, je ne vais pas être plus long. Encore une fois, vous remercier de tout ce que vous faites pour l'attrait de Trévoux. Je pense qu'on sent que quelque chose est vraiment en train de se mettre en place. Pour compléter la rue des Arts, prochainement, on va tenter de rouvrir, et ça avait été initié aussi par l'ancienne municipalité, mais on continuera aussi ça, de rouvrir l'hôtel du Val-de-Saône, de manière aussi à ce que ça fasse un point d'ancrage pour tous les touristes qui viendront à Trévoux. Donc encore merci à tous, merci pour tout ce que vous faites. Bonne journée culturelle, patrimoniale et artistique. Et merci à tous. Je vais juste laisser la parole quelques instants à Michel Raymond, qui est l'actuel président de la communauté de communes et qui nous accueille devant la médiathèque, qui est une réalisation de la communauté de communes. Merci à tous. Merci Marc, je vais être très court. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes effectivement là dans un lieu de patrimoine et de culture. Et il y a l'histoire, il y a le patrimoine qui s'est mis en place et qui est restauré, comme la maison des Sires de Villard, ou cet ancien hôtel-restaurant. Donc c'est important maintenant de faire vivre tout ça. Le marché de la création, qui a déjà de longues années derrière lui, a été précurseur. La rue des Arts est là maintenant pour avancer. Et puis derrière nous, la médiathèque, le cinéma, le carré patrimoine, c'est tout un ensemble pour faire vivre Trévoux et le territoire. Donc je me réjouis que les projets se poursuivent et je compte sur vous toutes et vous tous pour continuer à faire vivre Trévoux et à l'animer. Merci. Les longs discours pour les courtes journées, merci beaucoup. Donc maintenant, au nom de la municipalité, je vous invite tous à partager un moment de convivialité et merci à tous.